Ah, bonjour, mon ami. J'ai de la chance d'être en ta compagnie pendant ma pause. J'aime venir entendre gazouiller les oiseaux. Ça a été un plaisir de te voir ici au pôle Nord. On t'envoie beaucoup d'amour. Joyeux Noël! Oh, oh, oh! Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On commence la journée de bonne humeur. Il y a un mec qui a failli nous rentrer dedans et au lieu de s'excuser, il a fait le Mac complet. Il m'a dit je vais te tarter et tout. Non mais elle est belle la France. Ouais. Du coup là on va finir les cadeaux de Noël. On a une gueule, laissez tomber. C'est couché à 7h du matin, on a dormi 5h. On est bien informé. Bref, du coup, on va finir les cadeaux pour la famille de Thomas que j'ai pas pu faire et que Thomas n'a pas pu faire à ma famille. Et parce qu'en fait, j'avais commandé un truc et c'est pas arrivé. Donc, je vais aller l'acheter. Donc voilà. On a pris des pierres, des bracelets et un collier. Du coup, je vous montre. On a pris une pierre. Aïe de tigre pour le papa de Thomas. Avec une recharge. Non. Il comprend rien lui. Bon, bref. Pour ma soeur, on a pris un collier avec le quartz rose. De toute façon, c'est vraiment sa couleur, ma soeur. Amour. Ça calme les angoisses, sérénité, etc. Ma soeur qui fait tout le temps des crises d'angoisse, c'est très bien. Et après, on a pris un truc pour ma mère. C'est pour calmer ses émotions, la colère, et aussi c'est pour tout ce qui est douleur menstruelle, etc. Du coup voilà, c'est très bien. J'adore, en plus il est orange. Et du coup ensuite on a pris des petits parfums Adopt pour qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui, c'est sans déconner. On a pris des petits parfums Adopt pour les mamies, les mamans et tout ça. Bon bref voilà. Pour la maman de Thomas, nous avons pris un masque, un massage de visage détente, remodelant, et tout ce que vous voulez. Parce que la maman de Thomas, elle a jamais le temps de prendre soin d'elle, du coup ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien. En plus, elle est comme moi, elle se maquille jamais, elle se coiffe jamais. D'ailleurs à Noël, elle m'a dit, faudra que tu viennes avant pour me faire mes cheveux. Donc voilà. Elle m'a dit, ah, comme le baptême que tu m'avais fait. J'ai dit, d'accord. Elle m'a juste demandé de lui faire les plaques. Hein. Bref, mais du coup, voilà, ça va lui faire du bien. Je pense que ça lui fera plaisir. Et du coup, là, on va à la Fnac pour faire les derniers cadeaux que je ne dirai pas d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que j'ai trop peur que ma soeur regarde le vlog. Du coup, voilà. Donc, on va à la Fnac faire les derniers cadeaux et après, que j'ai pas reçu du coup. Et Thomas, il faut qu'il fasse un cadeau à son père. Et après, nous serons bons. Rentrer faire le ménage. Ah, me parlez pas de ça. Je rentre, je mange un petit bout parce que j'ai quand même pas mangé. Et après, je fais mon ménage. Et après, vous ne me demandez plus rien. Jusqu'à demain. Demain, je vais chez le coiffeur, je me fais chouchouter, je suis coiffée. Après, je rentre, je m'allonge, je bouge plus jusqu'à 18h avant de se préparer. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est une caméra cachée. Pourquoi ? Genre là, il y a le soleil. Et là, là, il y a la lune. Là. Comment c'est possible ? La Terre, elle tourne sur soi-même. Non, mais arrête, c'est vraiment, je me pose la question. Je viens de te répondre. Je viens de te répondre. Toi, tu dis que de la merde. Les gens, ils vont penser que je suis bête, mais je vous jure, je comprends pas. Non, c'est bête. Dis Siri. Dis Siri ! C'est quoi qui fait du bruit, là ? Ça m'énerve. Elle marche pas, Siri, moi. Pourquoi ? Je l'éteins. Faut pas qu'elle m'enregistre. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi on voit le soleil et la lune en même temps? La rotation de la lune ne dépend pas du soleil. On ne voit pas souvent la lune et le soleil en même temps, car la lumière du soleil est trop forte. Mais cela peut, cela peut masquer la lune. Mais parfois, le soleil n'est pas complètement levé et la lune se trouve à l'autre côté du ciel. Dans ce cas-là, on va les deux. Ça m'explique pas du tout pourquoi. Attends, t'as pas posé la bonne question, toi aussi. T'as dit pourquoi. Il t'explique le pourquoi et t'as pas dit. Comment ça se fait?
comment? Sur comment? Interstellar, s'il vous plaît. Tu peux avoir un peu de chance ou comment? Mais c'est quoi le rapport là? Pourquoi tu fais ça depuis hier? Mais il me dit la même chose. Pourquoi on voit la lune pendant la journée? La lune, elle tourne autour de la Terre, donc parfois elle se trouve à l'opposé du soleil et donc elle est bien visible pour les terriens plongés dans la nuit. Ben non, on n'est pas dans la nuit là. Parfois elle se trouve même du côté que celui-ci est visible en pleine journée. Ouais, là sont vraiment opposés, genre. Ouais. Ça m'explique toujours pas. Bon. Je suis pas satisfaite de leur réponse, donc voilà. Mais bon, ok. Donc, Thomas, il croit pas au truc des pierres et tout. Moi, j'embrasse les pierres de lune. Et avant, j'avais une pierre du soleil. Mais je la mettais à l'autre bras. Mais elle s'est cassée. Je crois déjà assez en moi, c'est déjà bien. Oh waouh! Oh waouh! C'est tellement philosophique. Moi, j'ai un problème, c'est que quand je suis très fatiguée, comme là, je n'ai plus de filtre. Un. De deux, je n'ai plus de patience. Deux. Trois. Ça, tu l'as jamais vu. Je dis tout le temps de la merde. Ouais, tu l'as jamais vu. C'est le quotidien, ça, merde. Mais non. Mais vraiment, je suis super bonne humeur. Je suis super bonne humeur. On va où, là? On va à Chopping Planet. En anglais, c'est... Bagheera. Un bagel ou un bagel? Non, Bagheera. Ce qu'il a dit, c'est moi, hier. Hier, on joue au jeu, là, des devinettes. Et en gros, Simon, au lieu de dire les mots en français, alors que c'était exactement pareil, il dit en anglais ça se dit Bagheera. Au lieu de dire Bagheera, c'était la même chose. Après, il a dit, c'était quoi Abu dans Aladdin. Il a dit en anglais ça se dit Habu. Il était trop drôle. Non, toi, t'étais dans un état. J'écoutais pas. Pas. J'étais bien. Pas normal, quoi. J'étais bien. Il était bien, quoi. T'es bien. Je suis très fatiguée, j'ai pas mangé. Mais je suis en pleine forme. Moi j'ai soif. J'ai soif. J'ai pas de soif. Je suis déshydratée. Oh. Soif. Voilà. Bref. Bah, en tout cas, on a passé une très bonne soirée. Pas vrai? Ouais. Je te filme un peu. Il fait trop le kiki, ses lunettes là. Ouais. Oh là, là. Ouais. Non, franchement, c'était une trop bonne soirée. Moi, je suis trop contente de ce repas de Noël en famille. Parce que c'est un peu ma famille, mes amis. Je baille. Non, franchement, on a fait plein de jeux et tout. C'était trop trop cool. Moi, j'ai kiffé. On a bien mangé. Enfin, eux, ils ont bien mangé. Moi, j'ai pas mangé, mais eux, ils ont bien mangé. C'est cassé le ventre. Et j'avais raison, il y avait assez de patates et il y avait assez pour tout le monde. Par contre, le fromage, non, ils en auraient pas repris, mon dieu. Franchement, ils en auraient pas repris. C'était la gourmandise. Mais ils ont fini tout le fromage. Par contre, la charcuterie, il en reste. Et j'ai plein de coca. Ils m'ont tous ramené du coca. Ça se voit qu'ils me connaissent bien. You better lock your phone. I'm not gonna I'm take a lot to cut you going. I'm sorry if it's touching you. On a bien chauffé la carte bleue là encore. Hein. Bon, du coup, je suis en train d'emballer tous les cadeaux. Voilà, là, il y a tous les cadeaux. Hier, j'ai eu un cadeau de Juju. Elle m'a offert un rouge à lèvres MAC. Rouge, enfin bordeaux. Il est trop beau. Cette couleur, c'est le... Je me tourne 50 fois. C'est le Viva Glam 1. Il est trop, trop beau. J'adore. Je me suis coupée partout. J'ai de la colle partout. Bref. Il est trop beau. J'adore les rouges à lèvres MAC. J'en ai pas beaucoup non plus. C'est un trop beau cadeau. Du coup, voilà. C'est mon premier petit cadeau de Noël. Comment vous dire? Là, je me suis fait le plateau de la survie du lendemain de soirée. Ma nourriture. Bon bec. Coca. Plateau. On va dans le lit. Regardez Grey's Anatomy. C'est parti. Oh, ben là, je suis bien. Je peux vous le dire. Bon, les amis, comme vous vous en doutez, avec ma tête de folle, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai besoin de me reposer à fond, d'être tranquille, de manger, de regarder ma petite série. Et du coup, je vais clôturer ce vlog-là. Demain, on se voit. Du coup, pour vous, c'est Noël, en fait.
Donc le moment où je clôture ce vlog, bah, c'est Noël. C'est le 25 même. Donc vous verrez ça. Non. Le moment où vous regardez ce vlog, c'est le réveillon de Noël. Voilà, c'est le 24. Donc voilà. Donc bah, écoutez, passez de bonnes fêtes. Que ce soit en famille, seul, à la maison, un repas, un McDo, rien du tout. Peu importe ce que vous faites, j'espère que vous passez un bon moment avec vous-même. Déjà, c'est le principal. Et voilà, je souhaite à tous ceux qui sont en famille, qui font des grands repas, etc., de bien manger, de bien se... j'ai une coupe, laisse-moi. De bien manger, de bien se reposer, de profiter... de toutes les personnes qu'ils aiment. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à demain pour le Vlogmas du réveillon de Noël.